Hey tout le monde, c'est Tristopin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Blanc 2. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, nous avions débarqué à Volucité, en plus d'avoir tourné notre premier film au Pokéwood, et nous avions également mis un peu en déroute des agents de la Team Plasma qui ont essayé de nous voler nos Pokémon. Et c'est à peu près tout, c'était un petit épisode à la cool quand même. Et donc on arrivait dans son Pokémon, ah oui, j'ai oublié de vous dire, on a eu la bicyclette, et ça c'était pas prévu les amis, on l'a eu la bicyclette, et c'est plutôt cool. Vous voyez qu'elle est là, je vais pas l'utiliser ici parce qu'on peut pas. Et donc, à Volucité, nous allons devoir retrouver la Team Plasma. Alors, leur bateau, enfin, on ne nous le dit pas que c'est celui-là, mais je sais que c'est lui, il est là. Voilà. Donc, ils doivent pas être très loin. Peut-être qu'ils sont... Je sais où ils sont, mais je ne sais plus comment arriver à les faire sortir de là où ils sont. En fait, c'est ça le problème. Donc peut-être si j'avance, non, rien ici. Peut-être je me dirige à l'arène et le champion va sortir, il va dire blablabla. Hop. Ah, le champion, il est parti à toute vitesse en disant « Une urgence m'appelle, va le chercher si tu veux. » Mince alors, Artie est parti par là? Ah, voilà comment on fait. Oh, Mademoiselle Iris. Ah, vous savez, effectivement, Artie est absent. Flûte. Artie est jamais là quand on veut le voir. Dès qu'il est en panne d'inspiration, il disparaît de son arène. Mais, la Team Plasma, elle a disparu il y a 2 ans. Comment ça? Bah, si tu as des soucis, je peux t'aider. Un endroit où se cacheraient des gens louches. Ah, j'ai peut-être une idée. Misère. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Je crois qu'elle a tourné au coin pour se rendre du côté du centre Pokémon. Tu sais où il se trouve, n'est-ce pas? Il faut prendre la rue qui ceinture Volucité par le sud et la suivre. Bon, ça je sais. Ok. On va voir. C'est parti. Hop. Attendez, je vais peut-être un peu monter le son. Je pense que vous entendez pas grand-chose. Voilà, là c'est mieux. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai XP mes Pokémon. Du coup, je suis retourné dans la ZI de Onde sur Mer et j'ai XP mes Pokémon, du coup ils ont monté un peu de niveau. Ah, par là c'est les quais succès, on va l'appeler. Sûrement l'un des endroits les plus louches de Volucité avec la rue étroite. D'accord. Pas ici, viens je te dis. Bah, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Est-ce qu'on peut aller par là? Attendez une seconde, parce que ici, je vous rappelle que c'était l'ancienne route pour aller de notre village jusque-là. Nous sommes en train d'inspecter la structure du pont Sagiciel. Ouais, bref. Nous faisons cela à intervalles réguliers, mais cela prend du temps, patience. Ah, d'accord. Donc, on débloquera cette zone à la fin du jeu. Ok. On ira bien sûr la voir, hein, je pense. On ira peut-être même affronter quelqu'un que vous connaissez bien. À la fin du jeu, j'en dis pas plus, hein, mais vous verrez bien. Par là, c'est l'entrée des égouts. Alors, tu trouves pas le succès louche, le quai succès louche? D'accord, on a vu, il y avait un trou. Papin, t'as vu la Team Plasma? Bah non. Ah, ils sont où, ces sales voleurs de Pokémon? Bah en tout cas, il faut essayer de retrouver leurs traces. Papin, tu vas me filer un coup de main. Ok, on va aller suivre Eren. Les égouts, c'est vraiment idéal pour se cacher. Ok. Allons voir ce qui se passe avec Eren. Ok, il est là. Papin, bon, tu vas bien me filer un coup de main. Me farcir ces sales types tout seul, ça m'excite pas des masses. Et surtout, t'inquiète. Les Pokémon, c'est moi qui les soignerai. Ça te va, dis, Papin? Oui. Ok, allez, la Team Plasma va passer un sale quart d'heure. Ok, allons-y. C'est cool. Donc, on a un healer juste derrière nous, donc on n'a pas de soucis à se faire. Ok, c'est parti. Un combat. Est-ce qu'ils sont haut niveau? Ah, 15 et 16. Ça peut être bien de les affronter. Ça peut être pas trop mal. Oh, il est niveau 20, son matloutre. Ah oui, j'ai quand même un peu de retard, j'ai l'impression. Poichigeon, en montant de niveau, a appris Tranchère. Du coup, bah, on va utiliser. Et ça a fait une attaque de zone. Du
Je vais attaquer les deux Pokémon en face. Hop. Ouh, Rattata, il a pris cher. On attaque les deux. Non, mais pourquoi tu fais ça? En fait, c'était moi qui allais le tuer. Ah, on gagne pas beaucoup d'XP quand même. 77, c'est pas ouf. Utiliser du attaque. Ouh, ça lui fait un petit mal quand même. Coquillame et Nosferapti et KO. C'est parfait. Bon, bah, pour l'XP qu'on gagne, super. Hein. Alors attendez. Il va falloir qu'on mette un Pokémon en première position. On va mettre Grikui. Parce que Grikui est niveau 15. Et il me semble que quand Grikui arrive au niveau 16, il se passe quelque chose. Encore eux. Ils sont tous les deux niveaux. On va fuir. Hein. Ça sert pas à grand chose vu l'XP qu'on gagne. Parce qu'on est en combat double. Du coup, techniquement, l'XP est aussi partagé sur Matloot. Mais comme il n'est pas de notre équipe, et bah, ça sert à rien. Allez. Fuis. Merci. Ok. Ils sont où? Je crois qu'ils sont pas ici. Du coup, on va un peu explorer les égouts. On va en profiter pour ramasser un peu les Pokéballs qu'il y a. Un tas de morve et un Rattata. Ok. On va faire que de fuir, de toute façon, je pense. Hein. Comme ça. Ça va aller un peu plus vite. On va pas passer tout l'épisode dans les égouts. Ah, ils sont là. Ok, d'accord. Donc on va l'explorer de l'autre côté. Comment ça, j'ai 5 Pokémon? Non, j'en ai 4. Ah, mais c'est parce qu'il y a Matloutre en plus, mais... D'accord, j'ai pas compris. Ok, on va aller explorer de l'autre côté du coup. Hop. Il y a un dresseur, ça, non? Un instant. J'ai perdu quelque chose dans les parages. Attendez que je l'ai trouvé. Je ne veux pas qu'on marche dessus. Du coup, il va nous interdire de passer. Ok. C'est pas grave. Il n'y a rien ici. On continue de marcher. Oh, un petit papy. Ouh, le tellement il est niveau 17. Hein. Il est pas mal. Hop, fuite. Oh, on réussit pas à fuir, mais quoi? Oh oui, c'est bien ça, on gagne un petit point d'XP. Ah, mais en plus, Grikui monte au niveau 16. C'est parfait, les amis. Hop. Écoutez, on va fuir. Et est-ce que... Non. Bizarre. C'est bizarre. Soit il évolue pas au niveau 16, soit le fait d'avoir fui a empêché l'évolution. Je sais pas. Ouais. Bon, on verra bien pour la suite. Ok, donc il envoie un Ponchio. Et ben nous, on va faire un Nitro Charge. Ok, parfait. Ouh, ça fait mal. Multis bélier. Ça fait mal aussi. on va utiliser charge. Ok. Poncho et KO. Parfait. On gagne 200 d'XP. Il envoie un Miasme. On change pas, hein. On garde ce Pokémon. Ok. Miasme. On va faire Nitro Charge. Ok. Voyons voir ce que ça donne. Ah, ça lui enlève pas énormément de vie. Peut-être qu'il va nous tuer. Non, il a mis des pics toxiques. J'ai pas bien vu. Bon, on réutilise Nitro Charge. Parce qu'en fait, je suis en train de chercher sur internet. Pour Grikui. Grikui Pokémon. Bon, on va mettre ça. Attendez. Tac, tac, tac. Hop. On va utiliser Nitro Charge. Non, ou Poképédia, on va aller sur ça.
Non, je veux retourner en arrière, s'il te plaît. Ok. En tout cas, on a tué Minimas pendant ce temps. Et qui monte au niveau 17. C'est parfait. Et en plus, je crois que le combat est terminé. Alors, attention, je vais peut-être pas avoir besoin de voir à quel niveau Grikku évolue. S'il évolue maintenant. Et oui, les amis! Grikku évolue! Mais c'est parfait, ça! Trop bien. Allez, c'est parti. C'est l'heure de l'évolution. Ah, c'est cool. Bon, déjà, il sera bien plus puissant en forme de gros tichon, je crois. Je crois que c'est retichon. Il va déjà. Ouais, il va être gros tichon, voilà. Il sera déjà beaucoup plus puissant que le simple Kekui et il va prendre cogne. C'est quoi cette capacité? Un déluge de coups adressé avec la paume qui frappe 2 à 5 fois d'affilée. Ouh, ça peut être bien ça! On va enlever charge. Regardez boule armure. Ça peut être efficace boule armure. Et on apprend cogne. Parfait. C'est nickel. On va faire XP en attendant. Tac. Bah, Pochijon et Riolu, qui sont les deux les plus bas. Ok. Ah, on a encore un Pokémon. Deux. Nosferapti. Ok. On va fuir. Hop. Parfait. Donc, on descend. Et peut-être qu'on va trouver des Pokéballs. Et c'est méga grand en réalité, hein. Oh, un escalier. Et c'est ultra grand en fait. Ok. Bah vous savez quoi? On va faire le combat à côté. Ensuite, on va passer par l'espèce de grille qui était cassée. Et ensuite, je pense qu'on va aller voir la team Plasma. On va pas trop traîner dans cet égout parce que c'est en fait c'est juste embêtant avec les Pokémon sauvages qu'il y a ici. Du coup, on va pas s'éterniser. Voilà, on fait ce combat. Ok. Puis voilà. Donc. Voyons voir combien tu en as. Tu en as un. Bon, ça va être assez rapide. C'est un Charpentis. Et en plus, type combat. Parfait. Bon, il va pas faire long feu son Pokémon. Parce que. Bah, parce qu'on est tout simplement. Nos capacités sont fortes face à lui. Ouais. Il est à mid-life. Excusez-moi. On utilise Tranchère encore une fois. Fais patience. Bon, il aura pas le temps d'attaquer, hein, je pense. Soit il lui reste un PV. Non, c'est bon. Parfait. En plus, un coup critique. Bon, ouais, il était définitivement KO. Et Poichigeon monte au niveau 16. Mais c'est génial. C'est parfait. Ok. Peut-être une deuxième évolution. Non. Ok. Je crois que Poichigeon évolue dans pas longtemps en plus. Hop. Ok, c'est fermé. Non. Non. Merci. Ok. Et ben voilà. Bah en fait c'est les seuls endroits où on peut aller. J'ai l'impression que. Ah non, il y a aussi en bas là-bas. J'ai l'impression que il y a des. Qu'il y a des. Comment dire? J'arrive pas à trouver mes mots. Que. Voilà. Qu'il y a des endroits qu'on peut accéder que avec de l'eau. Je pense que c'était ça que je voulais dire. En tout cas, bah, si c'est pas ça, bah voilà. Mais voilà. Oui, je pense qu'on peut accéder à des endroits. C'est bizarre, je pense qu'on peut activer des manivelles d'eau. Et du coup, ça ferait qu'on pourrait passer à certains endroits parce qu'il y a des planches. Sinon, ça ferait qu'on serait inaccessible pour certaines personnes. Ok. Bah. Oh, il y a une salle de contrôle. Enfin, on dirait ça. Bon, on va continuer à explorer finalement, ça a l'air d'être intéressant. Ok. Ou peut-être je viendrai explorer en off. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Quoique, on va peut-être aller explorer la salle tous ensemble. Et ensuite, ouais. Après, je laisserai ça. Un Minotaur. Bon, je suis pas très avantagé face à lui. Du coup, on va mettre, bah, je pense. On va envoyer Gros Tichon. On va voir de quoi il est capable. Voyons voir. Griffacier. Pas très efficace. Hop.
On va faire cogne. Ok, toucher deux fois. Bon, t'aurais pu toucher au moins trois fois. Deux fois, c'est vraiment le truc minimum parce que ça ne peut pas toucher qu'une seule fois. Vas-y, cogne. Ouais, bah, là, t'aurais pu toucher quatre fois, hein, quand même. Flamèche. Et voilà. Parfait. Ok, nickel. On gagne 680 points d'expérience. Et on va aller vérifier. Qu'est-ce qu'il y a là? Déjà, rien du tout. Oh, les Pokémon sauvages! Ah, des Rattata en plus, ça sert à rien. Je déteste ce Pokémon. Même si, dans Pokémon Let's Go, je crois que j'ai un Rattata Shiny. J'ai dû avoir un Rattata, je dois avoir un Rattata Shiny. Parce que oui, je fais. Ouh, bah tiens, c'est bien ça. Ça fait un peu d'XP gratis. On fuit. Allez, c'est parfait. Oui, dans Pokémon Let's Go, c'est très cool parce que les Shiny sont, à mon humble avis, plus faciles à avoir que dans les autres jeux. Parce que, voilà. C'est plus facile pour moi, je pense. Parce qu'on les voit. Dans l'herbe, on n'a pas besoin d'engager les combats. Et il y a un Pokémon que j'essaye d'avoir depuis des années. Vraiment, genre, ça a été le premier Shiny, je pense, que j'ai essayé d'avoir. Peut-être le deuxième. Peut-être le deuxième. Et c'est un Caninos. Un Caninos Shiny. J'ai passé des heures, des jours même, à essayer de l'avoir. Jamais réussi. Le premier que j'ai eu, c'était un Chenipan Shiny. Je l'ai gardé pendant toute mon aventure. Et finalement, vous savez quoi? Un Papillusion. C'est pas si nul que ça. On pourrait croire que c'est pas super fort. Mais sans déconner, c'est vraiment une puissance incroyable. Et je savais pas. Bon, après, le fait qu'il était shiny, ça a augmenté ses stats de base. Du coup, voilà. Ça fait qu'il était déjà un peu plus fort que la moyenne. Mais non, quand même, c'était vachement impressionnant la puissance qu'il avait. Ok. Il monte au niveau 17. De toute façon, je pense, bien sûr que oui, que je vous ferai un jour en let's play Pokémon Let's Go sur Switch. Mais t'as pas besoin, j'ai déjà un healer derrière moi. C'est cool, hein. Je dis pas que c'est pas cool, mais j'ai déjà un mec qui me soigne derrière moi. Oh non, mais arrêtez les Pokémon sauvages! Je vous dis, mais quand on va sortir des égouts, comment ça va être la délivrance? Incroyable. Tu prends la Pokéball. Oh, les restes! C'est super bien ça! Ah, bah on a bien fait de venir ici! C'est super intéressant. En fait, je crois que c'est quand on le met sur le. Je reviendrai tout seul. Hein, je m'attendais à ce que ce soit une petite salle de contrôle bien sympathique. En fait, bah, je pense que c'est pour mettre de l'eau. Du coup, c'est pas très intéressant. Vous avez vu à quoi ressemblait la salle, hein? Pire, vous faites pause. Est-ce que c'est plus rapide par là? Il y a une deuxième salle? Non mais arrête, arrête, je me casse. Je m'en vais. Je reviendrai plus tard. De mon côté, j'aurai des repousses. Parce que là, les Pokémon sauvages, c'est invivable. Allez, on y va. On se casse. Vite fait, bien fait. C'est parti. Par là. Hop. Ah non! Arrêtez, s'il vous plaît. En plus, c'est des ratatas quoi. Ce serait des ratatas shiny, je dirais. Pourquoi pas, hein? On peut pas omettre cette possibilité. S'il vous plaît, arrêtez. Bon, bah, ça, c'est quand même super cool que son Coquillame soit aussi cheaté. Parce que, au moins, comme ça m'apporte un peu d'XP. Mais bon, c'est pas méga intéressant les 66 points d'XP. Allez, c'est bon, on va arriver, les amis. On remonte là. On va redescendre ici. On a fait pas mal de chemin sans en rencontrer quand même. On peut s'estimer heureux. Bah, je pense qu'on aura fait du coup tout cet épisode dans les égouts. On fuit. Ok, allez. La team Plasma, elle est là. Cuir tordu. Ah, ok, hop. C'est bon. Ouh.
on arrivait. Et vous croyez où? Team Plasma, ça va être votre fête. Il parle bizarre lui. Quoi, des menaces? Je vais t'apprendre la politesse. Personne ne nous empêchera de libérer les Pokémon. La ferme, sale voleur, petit escroc. En plus, vous utilisez les Pokémon comme des objets. Il est enragé, lui. Pour la peine, file les nouveaux Pokémon. Papa, on les explose. C'est parti. On les explose à deux? C'est cool. Ouais, trop bien. On se les fait à deux. Bagiguan et Mascaïman. Ah, Mascaïman. Quelle histoire d'amour, hein, dans Pokémon Blanc. Comment notre Crocoribli était full cheaté, c'était incroyable. Je pense pas qu'il sera d'une grande utilité, Poichijon. Du coup, on va envoyer Riolu à sa place. Ok. Matelot, vas-y, Coquillam. Ouh, ça fait mal. Et un poteau, ça fait pas très très mal. Ah oui, aussi, Riolu a pris Forte Paume. Voilà, c'est une attaque de combat. Du coup, c'est cool. Bah, il les a one-shot tous les deux. Super. J'ai rien pu faire du tout. Mais Riolu monte au niveau 16. Et du coup, c'est cool. Ok. Bah, c'est parfait. Ça, c'est fait. Et du coup, on va enfin pouvoir sortir de cet égout. D'ailleurs, il y a un trou au bout, là-bas. Et c'est caché par les dialogues. Saleté de mioche. Bon, bah, on a déjà fait le plein de Pokémon. On peut les filer. On peut jouer les filets. Quoi? Attends, on peut jouer les filles de l'air. Ah, d'accord. Oui, il y a un trou derrière là-bas au fond. Plus rapide qu'intentif pour s'enfuir. Bon, il faut chercher plus profond. Je suis sûr qu'ils ont des complices. Vous pouvez vous épargner cette peine. Parti. Ah, c'est parti. Vous voyez pas bien les dialogues, je viens de voir. Hey, vous êtes Artie, le champion. Quel œil. Oui, c'est bien moi, le seul et unique Artie. Il n'y a pas plus la trace d'un malfaisant en ce lieu que de noir dans un monochrome blanc. Ok, le mec, il parle avec des termes techniques. Hein? Tout à fait. Garde-moi aussi un œil sur la Team Plasma. Que diriez-vous de sortir par ici? Ces égouts sont une étuve, ma créativité étouffe. Oh, vous avez botté le train de la Team Plasma avec les autres champions il y a 2 ans, c'est vrai? C'est vrai, oui. On était là. Bon, ben, merci. Tiens, pour le bon cœur. Ah, force! Ça, c'est cool. Je sais pas à qui on pourra la prendre, mais c'est grave intéressant. Je les retrouverai bien, ces escrocs de la Team Plasma. Je les hais, sale type, je leur ferai payer. Il s'est évaporé. Et toi? Encore? J'ai pu admirer ton combat contre la Team Plasma. Tu as sublimé le potentiel de ton équipe. Impressionnant. Non, je dirais stupéfiant et intrigant. Voilà qui me donne à réfléchir. Mais qui est-ce? Qui était-ce? Peu importe. Le mystère a son charme. Que comptes-tu faire? Tu peux rester pour entraîner ton équipe ou venir me défier à l'arène selon ce que t'inspire ta muse, au plaisir. Ok, eh ben non, en fait, on va pas du tout entraîner nos Pokémon ici. On se tire à une vitesse astronomique. Parce que je peux vous dire que les Pokémon là, c'est si énervant. Vite, change de Pokémon. Enfin, fuis. Merci. Allez, on y est presque. Jusqu'au bout, ils vont nous énerver. Ne sera petit. Je veux dire, si je t'ai pas attaqué tout à l'heure, c'est parce que je veux pas t'attaquer en fait. Mais voilà. Allez, fuis. Voilà. Allez, on y est presque. Yes, on est sorti, les amis. On a réussi. Iris, elle a voulu en parler, j'imagine. Ouais, c'est ça. Allez, parle-nous. Ici, on peut parler autant que tu veux. Dis, ton ami là, il était drôlement énervé. Tu crois qu'il ferait pas de bêtises? Tu comptes faire quoi maintenant? T'as rencontré Artie dans les égouts, non? Alors tu dois pouvoir l'affronter dans l'arène. C'est en faisant des combats avec ton équipe et des Pokémon te comprendre mieux.
Bah vas-y, hein. C'est parti, hein. On est chaud. En avant. Hop, allez. On va passer un coup au centre Pokémon, même si je pense que mes Pokémon sont déjà full vie. Non, du coup non, je veux pas faire ça. Voilà, on soigne notre équipe, on sait jamais, hein. Parce que là, on va se diriger vers l'arène. On va se diriger vers l'arène et puis voilà. Je pense qu'on va quand même couper là, hein, parce que c'était un bon épisode, je trouve. Enfin, bon. On a passé tout l'épisode dans les égouts et je suis vraiment désolé. Je voulais l'explorer, mais les Pokémon sauvages a fait que bah, ça a duré bah, tout l'épisode. Mais bon, j'espère que vous me pardonnerez. Ok. On rentre dans l'arène. Et puis les amis, eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton, c'est vraiment important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit sur du Pokémon Blanc 2 ou sur un autre Let's Play. N'oubliez pas que dans la description, j'ai mis mon Twitter. Et les amis, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Tristopin. Bye tout le monde!